du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, quelle joie d'être réunis ce soir, comme il est bon de bénir le Seigneur comme nous venons de le chanter. Lui qui nous rassemble pour cette messe chrismale, avec tant de prêtres, de diacres, d'épouses de diacres, de consacrés, de serviteurs de l'Église de toutes sortes de manières, de représentants de toutes les paroisses de notre diocèse. Au début de cette semaine sainte, nous sommes réunis pour accueillir le don de la grâce du Seigneur qui s'exprime en particulier dans les huiles qui vont être bénies, pour accueillir l'appel du Seigneur à lui être toujours plus fidèle au service de l'annonce de la foi en notre temps. Je salue avec une joie et une reconnaissance particulière Monseigneur Gérard Daucourt, mon antéprédécesseur, que nous sommes si heureux de retrouver ce soir, le Père Hugues de Voilemont, le Père Philippe Bordaigne. Nous sommes en communion avec tous nos prêtres plus âgés à la Maison Marie-Thérèse. Certains les représentent parmi nous ce soir. Nous pensons tout spécialement au Père Froissart et au Père Vernon, qui ont été plus fatigués ces derniers temps. Nous rendons grâce, je les nommerai tout à l'heure, pour nos jubilaires, diacres, prêtres depuis 25 ans, 60 ans, 70 ans. Nous rendons grâce pour tout ce que le Seigneur accomplit au milieu de nous. Dans le temps de méditation que nous avons vécu avec les prêtres, avant cette liturgie, celle qui prenait la parole pour encourager les prêtres et partager son amour du Seigneur, nous a rappelé que le Seigneur ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Au début de cette liturgie, il nous est bon de confier au Seigneur tout ce qui en nous se ferme à son amitié, tout ce qui a besoin d'être renouvelé pour que nous vivions tous dans la variété de nos missions et de nos états de vie en véritable amis du Seigneur et dans le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais mon confesse que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par l'esprit. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la mère de notre Père, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique, et tu l'as établi, Christ et Seigneur, nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelé prêtre du Seigneur. On vous dira servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Sans fin, je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. Ton lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue.
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. » L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Frères et sœurs, cette proclamation de Jésus à la synagogue de Nazareth est aussi la nôtre. Baptisés, confirmés, prêtres, nous avons été consacrés par l'onction, la chrismation qui donne son nom à la messe qui nous réunit ce soir. Nous avons été consacrés pour répandre autour de nous l'huile du salut, le baume de la grâce et de la paix évoqué par l'Apocalypse il y a un instant. Sur les catéchumènes et les chercheurs de Dieu, sur les malades, les mourants, et tous les pauvres et souffrants en attente de bonnes nouvelles, sur tous nos frères et sœurs dans la foi, appelés à grandir dans l'accueil vivant et vivifiant de l'Esprit. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Frères et sœurs, qu'il est bon et précieux de contempler ce soir le Christ, missionnaire du Père, qui nous envoie en mission. Vous savez combien il est important pour notre diocèse, comme pour toute l'Église en ce temps, de vivre une véritable conversion missionnaire, pour approfondir ou retrouver le goût d'annoncer le nom de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Notre journée diocésaine de la mission en octobre 2021, la naissance progressive d'une école diocésaine de la mission, l'Académie Kérigma, sont des étapes importantes dans ce sens. Celui que nous avons à annoncer, c'est le Christ libérateur, le Christ sauveur, comme nous l'avons médité lors du colloque pastoral diocésain d'octobre dernier. Il est, comme le proclame l'Apocalypse, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Pour vivre du Christ sauveur, et pour témoigner de lui, nous avons à nous ouvrir toujours plus profondément au don vivant de sa grâce, pour que son esprit soit vraiment sur nous, comme il a reposé sur Jésus. C'est le sens et l'importance de la prochaine étape que je vous propose, après la journée kérigma et le colloque sur le salut, pour le 14 octobre prochain, une journée diocésaine de prière et de formation à la prière intitulée « Allons à la source ».
En ces temps parfois si rudes, mais souvent si beaux aussi, que nous avons à traverser, il nous faut laisser le Seigneur creuser nos cœurs pour mieux les irriguer. Il y a un an, au cours de cette messe chrismale, des délégués de toutes les paroisses remettaient aux membres du conseil épiscopal leur contribution synodale, dont la synthèse diocésaine nous avait été présentée juste avant l'homélie. Certains me demandent parfois ce qu'est devenu ce travail et quelle suite lui sera donnée. Il nous faut nous rappeler la demande du pape. Travailler au niveau paroissial, pour constituer une synthèse diocésaine destinée à enrichir une synthèse nationale puis continentale en vue de la première session romaine d'octobre prochain. Il me semble spirituellement très important de consentir à cette désappropriation pour passer, au sens presque pascal du terme, d'une synodalité de clocher à une synodalité pleinement ecclésiale. Cette synodalité, nous avons aussi à la comprendre dans toute son ampleur. Pas seulement une synodalité délibérative, une réflexion sur les modes de décision dans l'Église, mais aussi, en amont, une synodalité contemplative, une implication de tous dans la vie spirituelle pour être en vérité les pierres vivantes avec lesquelles Dieu lui-même construit sa maison. Et en aval, une synodalité active par l'engagement de tous dans le service des pauvres et l'annonce du salut. Dès maintenant, cependant, des prises de conscience peuvent nourrir nos vies paroissiales et diocésaines. Je pense en particulier à tout ce qui a été dit sur l'accueil et qui a pris corps au plan diocésain par le nouveau service d'accueil des personnes séparées ou divorcées et qui s'incarne au plan paroissial dans l'accueil aux messes, au catéchuménat, pour les baptêmes des nourrissons, la préparation au mariage, l'accueil des familles en deuil, qu'aujourd'hui continue de s'accomplir par nos engagements dans toutes les formes d'accueil, les paroles proclamées par Jésus à la synagogue de Nazareth. J'ai évoqué la synodalité délibérative, portée par la synodalité contemplative et s'exprimant par la synodalité active du service et de la mission. Tout cela se retrouve de façon synthétique dans la synodalité par excellence, celle de la sainteté. Voici qu'en ce jour, prêtres et diacres recevront pour leur communauté un magnifique missel et lectionnaire des saints de notre diocèse, destinés à nourrir la foi de tous et à éveiller, chez les plus jeunes notamment, le goût de tout quitter pour le service de l'Évangile en réponse à l'appel de Dieu. Les saints de notre diocèse ont vécu à des époques très différentes, depuis Saint Maurice et Sainte Geneviève jusqu'à Saint Charles de Foucault ou la bienheureuse sœur Paul-Hélène Saint-Raymond. Ils sont nés ou morts dans notre diocèse ou n'ont fait qu'y passer, comme le saint pape Jean-Paul II à deux reprises. Il était avant-hier la date de son rappel à Dieu. Mais dans la variété de leur charisme et l'unité de leur foi, ils ont suivi le Christ, chemin, vérité et vie, et défricher la route que nous avons à parcourir. L'unité de la foi et de la charité,
C'est le sun de Sin Od. Le Christ, chemin, odos, c'est le od de Sin Od. Ce livre liturgique, vous le verrez, est magnifique. Mais j'espère qu'il sera vite obsolète. Grâce à l'inscription de nouveaux saints au propre diocésain, comme sœur Marguerite Mazot, vachère de Suresnes, première des filles de la charité, qui a donné son nom à la dernière de nos écoles catholiques, ou le père Anisan, fondateur des fils de la charité, qui ont tant marqué les paroisses de Colombes, ou le père Ange Le Proust, fondateur de nos chères sœurs hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve. J'espère et je crois que c'est surtout notre engagement à tous dans la synodalité de la sainteté qui enrichira les pages du livre de vie de notre diocèse. Chers frères et sœurs, chers frères prêtres, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères, comme le chante le psaume 132, de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. Que l'huile de la grâce et de la paix que nous bénissons ce soir nous rende capables, chers frères prêtres, de renouveler profondément l'engagement de notre ordination et nous donne à tous le bonheur de l'unité et du rayonnement sur le chemin de la sainteté. Amen. Chers prêtres du diocèse, chers prêtres qui vivez votre mission dans votre diocèse, fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie,
par amour du Christ et pour le service de son Église, au jour de votre ordination sacerdotale. Voulez-vous être les fidèles intentants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes. Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui la source du salut. Sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse. Que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Le Seigneur nous garde, les uns et les autres, dans son amour. Que lui-même nous conduise, pasteur et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Voici le Saint-Crème. Voici l'huile des malades. Et voici l'huile pour les catéchumènes. Notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils
guérir nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par le Christ, notre Seigneur. Prions tous ensemble notre Dieu, le Père Tout-Puissant, de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que tous ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voies. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier, parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, à chanter que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe, portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore. Lorsque ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain,
Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas, par la voix qui se fit entendre, que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi, d'une manière éclatante, que se réalisait la prophétie de David, il sera consacré d'une onction de joie comme aucun de ses semblables. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile que tu as créée, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit-Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtres, rois, prophètes et martyrs. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel, par le Christ notre Seigneur. Thank you.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant ainsi leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses dons, ses offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons, avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, mon frère Gérard,
et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Thank you.
Acclamons le mystère de la foi. Serviteurs et ton simple peuple saint uni avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint. Le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour. Et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, du diacre, de notre frère diacre Guy Lemaître, de nos frères prêtres Jean-Pierre Chaperot, François Tonnier, Marcel Allard, Robert Véron, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Maurice et Geneviève, et tous les saints. Nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, Amen. Appelés à témoigner d'un même Seigneur, d'un seul cœur,
nous osons chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers amis diacres, en vous rappelant que le Christ a dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir », voulez-vous poursuivre votre engagement en manifestant la charité du Christ à nos frères pauvres et malades, en témoignant de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus vivant à ceux qui ne le connaissent pas, et en prenant votre part du service des tables, de la parole et de l'Eucharistie. Oui, je veux. Frères et sœurs, je vous invite à prier pour les diacres, que le Seigneur les garde tous en son amour, qu'il conduise lui-même ceux qui ont reçu l'ordination en vue du service, leurs épouses, leurs familles et le peuple tout entier jusqu'à la vie éternelle. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
règne de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu tout-puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir un instant. Chers amis, en cette messe chrismale, nous avons fait mémoire des prêtres et diacres défunts qui nous ont quittés cette année. Je les cite à nouveau, le père Chapreau, le père Tonnier, le père Allard, le père Véron et le diacre Guy Lemaître. Nous rendons grâce pour leur ministère. Nous demandons au Seigneur encore de les accueillir dans la plénitude de sa lumière. Alors, il n'y a pas cette année de diacre qui célèbre 25 ans de diaconat, comme nous l'avons eu déjà. Mais, comme nous avons quand même envie de jubiler avec des diacres, je vous propose de rendre grâce tout spécialement pour ceux qui, cette année, célèbrent 10 ans de diaconat, Amaury Bertram, Emmanuel Brun, Alain Conchon et Michel Marguet, ceux qui sont là pour se lever. Célèbre 20 ans de diaconat, Pierre Lernoux et Vincent de Trouy-Chanel. Et celui qui va fêter 30 ans de diaconat cette année, Daniel Trépied. Alors, en ce jour, nous avons la grâce de célébrer le jubilé d'argent, les 25 ans de sacerdoce d'un grand nombre de prêtres. Il y a 25 ans, c'était une année faste dans notre diocèse, avec 8 ordinations, et puis d'autres sont venus rejoindre le service du diocèse. Et donc, avec beaucoup d'actions de grâce, cette litanie de noms vous fera bondir de joie. Nous rendons grâce pour les 25 ans de sacerdoce de Benoît Guérard, Philippe Hénaff, Olivier Legouteux, Yves Morel, Naël Kefelec, Benoît Laude, Georges Van den Bosch, auquel nous ajoutons le père Antoine Nanian, du diocèse d'Apaon, qui est présent dans le diocèse depuis 2 ans. Et le père Michel Protin, spiritain, curé de Saint-Sanislas des Blagies. Saluons aussi les 25 ans de sacerdoce d'Olivier Offray et Casimir Ojo, qui ne sont pas parmi nous ce soir. Et à ces jubilaires, nous ne pouvons pas ne pas ajouter le souvenir du père Combel, qui faisait partie de cette belle brochette d'ordinants à Saint-Sulpice il y a 25 ans. Alors, un spiritain parmi nous célèbre 40 ans de sacerdoce et spiritain des Blagies, le père Jean-François Coquerel. Maintenant, nous arrivons enfin, si j'ose dire, à des jubilés vraiment sérieux. D'abord,
peut-être peut-il s'avancer un peu, les 60 ans de sacerdoce du père Michel Bourgarel. Et les 70 ans de sacerdoce du cher père François Olivier. C'est bien, mais les ordinations, c'est encore mieux. Début du mois d'octobre, nous aurons une belle gerbe de nouveaux diacres permanents. Et puis le 17 juin, vous êtes tous invités à la cathédrale pour l'ordination presbytérale de Xavier Vermerche. En matière d'ordination, la qualité est plus importante que la quantité, mais il est bon quand même que le Seigneur suscite dans son Église des nouveaux diacres, des nouveaux prêtres, des nouvelles religieuses, des nouvelles vierges consacrées. J'ai eu le bonheur de célébrer déjà deux consécrations depuis que je suis arrivé dans le diocèse. Voilà pourquoi je vous invite tous à vous lever et... C'est une création musicale pour laquelle nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Je vous propose de chanter ensemble notre prière diocésaine des vocations. Ceux qui ont préparé cette liturgie, les chanteurs du chœur diocésain avec Jacques Michard à l'orgue, Loïc de la Combe et Béatrice Abouf, toute l'équipe de la pastorale liturgique du diocèse avec Elisabeth Julien et Christophe Villemain, Médéric Masfaillon, cérémonière et tous les servants qui nous ont rejoints, les équipes de la cathédrale. Merci aussi à celle Vierge consacrée qui a préparé, comme chaque année, les huiles et le nard, et celles qui vont l'aider tout à l'heure à les conditionner pour que, dans quelques heures, le baume du salut puisse se répandre en abondance sur le front des catéchumènes. Merci à tous de votre présence ce soir. Que le Seigneur nous donne d'entrer de tout notre cœur dans cette semaine sainte. Les rameaux ont été célébrés de manière abondante et joyeuse dimanche dernier. Cela augure
d'un beau Triduum pascal. Puissions-nous le vivre avec toute l'intensité possible pour qu'il porte dans tous les cœurs des fruits de courage, de joie, de paix, d'enthousiasme au service de l'Évangile. Et maintenant, confions-nous tous à la prière de la Vierge Marie. Ave Regina Caelum. Alors, chers diacres et prêtres, dans la procession de sortie, prenez bien le lectionnaire et sanctoral diocésain. Un est donné à chaque prêtre, chaque diacre, pour sa communauté. Frères et sœurs, veillez à ce que ces sanctoraux diocésains puissent servir en abondance et nourrir notre vocation à la sainteté. Je remercie tout spécialement le père Yvon Ebram qui a dépensé beaucoup d'énergie pour préparer ce sanctoral et tous ceux qui, à l'équipe de communication, l'y ont aidé. Et maintenant, que le Seigneur nous donne en abondance sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.